Karine Le Marchand vient d'être élue animatrice préférée des Français par Télévision Mag. Un titre qui lui redonne le sourire, elle, qui a vécu une année 2022 particulièrement difficile comme elle l'a révélé dans un long message posté sur Instagram. Karine Le Marchand referme l'année 2022 en beauté. Ce jeudi 29 décembre, elle a été élue animatrice préférée des Français selon un sondage Télévision Mag. La plus belle des récompenses pour la présentatrice de 54 ans qui ne cesse d'enregistrer de bonnes audiences au fil des saisons de l'amour et dans le pré sur M6. Elle rejoint ainsi Jean-Luc Reichmann qui, lui, a été élu animateur préféré des Français, alors que son camarade Stéphane Plaza a été détrôné. Ce titre tombe à pic pour la maman d'Alia qui a connu une année particulièrement difficile. Sur son compte Instagram, la marieuse d'agriculteurs a ainsi tenu à remercier son public mais aussi à se confier à cœur ouvert au sujet de ses tourments. Comme pour beaucoup d'entre vous, l'année 2022 a été une année éprouvante, nerveusement, physiquement, émotionnellement. Comme vous, même si je ne sais pas le montrer, j'ai parfois pleuré de rage, de tristesse, j'ai ressenti la solitude et l'anxiété, a-t-elle écrit dans un long message sur le réseau social, en pointant du doigt l'état de notre planète. La guerre qui dure et celle qui menace, la pauvreté croissante, la cruauté envers les gens et les animaux. Des problématiques qui la touchent de plus en plus. Karine Le Marchand aidée par ses proches pour surmonter cette horrible année. Pas question cependant pour Karine Le Marchand de se laisser abattre. Si l'année 2022 a été un calvaire, elle a su trouver le soutien nécessaire pour ne pas baisser les bras. Outre ses proches, la fidélité des téléspectateurs a été un véritable pilier pour elle. Grâce à mes proches, et mes amis, à qui j'ai su dire ça ne va pas, j'ai reçu du soutien et de l'amour, a-t-elle continué. Et j'ai repris de l'espoir et mon énergie. Ils savent combien je les aime et je les remercie d'être là pour moi. Mais vous, que je ne connais pas, vous qui riez et pleurez avec moi sur votre canapé, qui m'abordez dans la rue, et qui tout simplement vous sentez proche de qui je suis, je veux vous dire un immense merci. Car ces témoignages de tendresse, de reconnaissance et d'amour sont essentiels lorsque tout tangue. Point, j'espère ne jamais vous décevoir. Je vous souhaite d'enterrer bien vite cette horrible année, et je forme le vœu pour 2023 que la gentillesse, l'amour et la joie soient un objectif à atteindre tous ensemble. Je vous embrasse tendrement. Karine Le Marchand compte bien vivre une nouvelle année en toute sérénité.